Voilà notre monture. Espérons que ce Spamel ne nous abandonnera pas. Ne sois pas rancunier, Cal. Ça ne te ressemble pas. Essayons d'éviter d'attirer l'attention. Ça va pas être facile. Le désert grouille d'impériaux. Alors on s'occupera d'eux ensemble. Alors, comment t'es entré en contact avec le passage? Pendant mon voyage, j'ai rencontré une personne dans le besoin. Et je l'ai aidé à se cacher de l'Empire. C'est ce qui m'a mené au passage. Parfois, je me demande si la destruction de l'Holocron a eu le moindre effet. Nous avons protégé les enfants de cette liste, mais il y en a d'autres. Et l'Empire continue de les traquer. Exactement. On doit protéger un maximum de gens. Serré. Oui, ce sont d'anciens mécanismes de sécurité. Un héritage de ceux qui ont vécu ici avant. Lorsque l'Empire est arrivé, les Anachorètes ont commencé à se servir de ça. Les vieilles technologies sont plus discrètes. Exactement. L'Empire, on se dirige vers le sanctuaire du pèlerin. Le refuge est là-dedans? Oui. Ce temple est abandonné, et bien fortifié. L'endroit idéal pour se cacher de l'Empire. C'est ce qu'on pensait. On va retrouver le frère Armias. Je l'espère. On va prendre la route de derrière. C'est le chemin le plus rapide. Ça a l'air dangereux. Au moins, on est deux. Bien joué. Un raccourci vers la base de Serré. C'est bien là-bas qu'on va. Mais il faut qu'on prenne un autre chemin pour le moment. Bon retour parmi nous. Se rapproche. Séparons-nous. Je vais les ralentir. On se rejoindra près du temple. Hé, Meryn! Fais attention à toi là-bas. C'est pas à moi de faire attention, Cal. Il n'y a plus que toi et moi.
mieux vaut ne toucher à rien ici, au risque de réveiller les morts. Un atterrissage réussi. Prépare-toi, BD. Ça te rappelle Zepho à toi aussi ? J'y arriverai pas. Il y a trop de vent. Tu as déjà entendu une chose pareille ? On dirait de la musique. Il faut que je me concentre. Quel genre de pèlerin venait ici, au fait ? Imagine devoir affronter ces vents juste pour trouver un refuge. Un sanctuaire n'a pas de prix, j'imagine. Merin a dit que c'était la route de derrière, c'est ça ? J'espère que Céré a fait passer les réfugiés par un autre chemin. Ils ont déjà assez souffert. Ça devrait nous protéger un peu. R.A.S. BD. Oui, Merin est sûrement derrière ça. Dépêche-toi.
à voir la nouvelle unité. Elle ne répond plus à la radio. Je t'aurai. Bien sûr. N'ayez pas peur du Jedi ou de son arme. L'Empire nous a apporté un nouveau jouet, mon pote. Détruire. On peut facilement être dévié de sa trajectoire ici. Avançons prudemment. Ça va nous donner de l'élan. Gardez votre équilibre. Vous ne vous êtes pas préparé à ça? T'es rapide. Tant mieux pour toi. Ça permet de rejoindre le pont. J'aurais besoin d'une pause. Bon, c'est reparti. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais il y a une unité impériale. Je me suis dit que je devais te prévenir. Ça me va. Passe devant. Préviens-le. On m'a signalé que le Jedi était à con. Menace en approche. Meryn ? Un instant. Ça m'impressionne toujours. Tu n'as pas encore vu toute l'étendue de mes pouvoirs, Calcestis. Ça. Les ruines chantent.
La force est puissante dans cet endroit. On peut plus reculer. Concentre-toi sur le présent. Et on force le passage. On va devoir foncer au cœur de cette tempête. Prépare-toi, Billy. Elle a toujours su où me guider, même quand j'ignorais ma prochaine étape. Cal, qu'est-ce qui s'est passé ? Vois par toi-même. Pas mal. Tu vas peut-être arriver à me suivre maintenant. On va bientôt le savoir. Que font les Impériaux ? Ils sont près de l'entrée. Ils attendent quelque chose. Alors on a encore du temps. J'aime pas la tournure que ça prend. Cette chose va détruire le temps. Frère Arnia, c'est toujours à l'intérieur. Séparons-nous. Je vais distraire ce monstre. Fais attention. On se retrouve à l'intérieur. Les vents sont avec nous maintenant. Le vaisseau de forage d'assaut a atterri. Je ne peux rien à faire ici. Ça va te servir de cet effet là. Cette manœuvre va demander un peu de préparation. J'espère que Mérine pourra les ralentir. Ça va, BD ? Tu t'amuses bien ?
Incroyable. Mais ça n'empêchera pas l'Empire de le réduire en poussière.